se retrouve pour le tout nouveau comeback de, alors, de Kim Woo-seok. Donc, je sais que c'est la première vidéo que je fais par rapport à lui. J'ai pas fait d'autres vidéos réactions par rapport à lui. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un ancien membre de UpTension. UpTension, c'est un vieux groupe, hein, pas très connu. Si vous connaissez, alors là, faites-moi, n'hésitez pas à me faire signe parce que je sais pas. Pas si des gens connaissent encore UpTension. Je crois que je sais même pas s'ils sont encore s'ils ont pas disband ou quoi, je me demande. Enfin bref, donc il faisait partie de UpTension et après il a participé à Produce 101 et il faisait partie des membres du groupe final, donc X1, qui malheureusement s'est retrouvé en plein milieu d'un scandale, vous savez, avec toutes ces manipulations de vote, etc. Et au final ils ont dû disband. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé en solo. Donc voilà, c'est peut-être la première réaction que je fais par rapport à lui en solo, mais je le connais depuis bien plus longtemps, je le connais depuis qu'il est dans UpTension. Donc voilà, et c'est un artiste que j'aime énormément, j'ai eu la chance de le voir en vrai, bah, du coup au concert d'UpTension qu'ils ont fait à Paris en 2000, c'était quoi, 2018? Possible que ça soit 2018. C'était mon membre favori. Enfin, c'était déjà mon bias dans UpTension. Enfin voilà. Du coup, c'est un artiste que j'aime énormément et j'avais adoré, mais tellement adoré sa première chanson solo qui était Rain Moon. Oh, cette chanson, les gars, elle est tellement sexy et il est juste incroyablement incroyable dans ce MV. Après, il a sorti, c'était quoi, Sugar, que j'ai moins aimé parce que là on était plus sur un concept cute. Mais voilà, j'avais pas fait de vidéo réaction pour ces deux-là, mais là je me suis décidée. Donc on va réagir à ça tout de suite. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous sentez dès maintenant qu'elle va vous plaire. Et à laisser des commentaires juste en dessous pour me dire tout ce que vous voulez, que ça soit par rapport à lui, à son ancien groupe, à X1, n'importe quoi. N'hésitez pas. Et puis bah nous on va tout de suite commencer avec la vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti. Je suis tellement pressée de voir ce que ça donne parce que le concept, j'ai vu des photos concept et c'est incroyable. Il est trop mignon. J'adore ses yeux. On est tout sur quelque chose de cute pour l'instant. J'adore ses yeux. C'est des petits lapins, ce gars. Oh là là, attends, il est en cuir là. Oh là là. J'aime bien ces petites animations qui sont ajoutées. Oh.
J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de scènes, beaucoup d'outils. J'adore quand il y a une vidéo comme ça. Sweet show, sweet show, sweet show over. May you get it, if you let it, let it. Guess what can be again, it's your life. It's not fair, it's not unfair. Oh, c'était un rêve! T.O.P. Media. Donc, visiblement, on est reparti sur un concept plutôt cute. Après, je dirais pas non plus que c'est cute, cute, mais clairement, on n'est pas sur Red Moon, quoi. Ce que je trouve un peu dommage, parce que Red Moon... pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que ce genre de concept, dont je parle de concept de Red Moon, hein, c'est totalement mon style. Les trucs bien sexy, les trucs bien matures, les trucs bien mec, mais... j'aime pas dire ça, mais... viril. Et attention, c'est pas parce que tu fais des trucs cute... que t'es moins viril, ça veut rien dire, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, plus dark, plus sexy en règle générale, je dirais, tout simplement. Et il est tellement doué dans ce genre de concept, et comme en fait, on a son dernier comeback, c'était avec Sugar, et que c'était déjà un concept cute, j'aurais aimé que là on re-switch et qu'il repasse à quelque chose de plus sexy, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même une bonne chanson. Pour moi, je pense que c'est une chanson qui est un tout petit peu trop rythmique, elle est un peu trop sur le même rythme tout le temps, je trouve. Je dirais que ma partie préférée, c'est, je pense, c'est probablement le refrain. Quand il dit « It's not fair, it's a love affair », parce que là, sa voix, elle descend un peu plus dans les graves. Je sais pas, il y a un truc dans sa voix qui change un tout petit peu, et j'aime beaucoup. C'est une bonne chanson, mais clairement, c'est pas ma préférée. Je pense que vous avez tous deviné quelle chanson j'adore venant de lui. Mais le MV, comme j'ai dit, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de changements de tenue, de coiffure, de make-up, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les MV de n'importe quel groupe, parce que ça rend toujours la chose plus intéressante. On n'est pas lassé de toujours avoir la même scène ou quelque chose comme ça. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime aussi énormément les couleurs. Le fait qu'il y ait une histoire, parce qu'en fait, au départ, on le voit qui se réveille de son lit. À la fin, en fait, on le voit qui... Enfin, en fait, on se rend compte que c'était qu'un rêve tout le long du MV. Tout le MV, c'était qu'un rêve. J'aime bien qu'il y ait ce genre d'histoire. Et enfin, voilà, il était juste très, très beau. Il était avec ses cheveux noirs, ce qui, pour moi, c'est toujours le mieux du mieux, avec n'importe qui, je pense, vraiment. Et voilà, c'est pas la chanson du siècle, c'est pas sa meilleure non plus, mais j'ai quand même, c'était une bonne chanson et facile à écouter et très catchy, l'air de rien. Et voilà, donc bah écoutez, c'était ma réaction à ce tout nouveau titre comeback de Kim Woo-seok avec Switch. Je l'avais même pas dit, mais oui, c'était Switch. Donc bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu maintenant que vous l'avez regardée en entière. N'hésitez toujours pas à vous abonner et à laisser des commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous voulez par rapport à ce comeback, quel concept vous préférez, enfin n'hésitez pas à me dire. Et puis ben moi je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.